Saint-Nicolas et les enfants de militaires en OPEX. La Saint-Nicolas est une fête principalement tournée vers les enfants. C'est une tradition vivace dans plusieurs pays européens. La tradition diffère suivant les régions. Un trait commun à ces célébrations est la distribution de cadeaux et friandises aux enfants. Le char numéro 9 intéressera les enfants, ce sont les bonbons du conseil régional. Attention aux dentistes. Le dimanche 4 décembre 2011, à l'occasion de la fête de la Saint-Nicolas, le général de corps d'armée Pascal Perran, gouverneur militaire de Metz, a reçu à l'hôtel de commandement plus d'une centaine d'enfants de militaires lorrains, de l'armée de terre et de l'armée de l'air, actuellement en opération extérieure. J'ai souhaité cette année, à l'occasion des fêtes de Saint-Nicolas et en partenariat avec la mairie de Metz, demander à la cavalcade et à Saint-Nicolas de s'arrêter devant le palais pour venir dire quelques mots à une centaine d'enfants rassemblés ici cet après-midi. Ce sont des enfants de l'armée de terre, mais également de l'armée de l'air, du service de santé, du service des essences, dont les papas sont en opération extérieure et qui sont venus passer un moment de convivialité avec nous au palais. Apportez-moi quelque chose à mon petit panier. J'ai toujours été sage comme une petite image. Ce fut l'occasion pour la communauté militaire de marquer sa solidarité avec les familles de ceux qui sont loin de chez eux, en cette période de fête, pour servir les armes de la France.